Madame le Président, c'est comme cela qu'on dit. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Fabrice Lemasurier, je vous laisse commencer. Vous pouvez vous présenter. En quelques mots, hein. Donc Fabrice Lemasurier, donc président de Saint-Loup Agglomération depuis juillet donc 2020. Donc ça passe relativement vite. Et donc voilà, je suis également le maire de Marigny-le-Lauzon. Virginie Renaud, même question. Oui, bonjour, donc Virginie Renaud, je suis présidente donc, du conseil de développement depuis septembre pour mon deuxième mandat. Et je suis également chef d'entreprise de bâtiment donc sur le secteur de Saint-Lô et donc le siège à Kibou, précisément, voilà, d'une entreprise de 40 et quelques salariés. Ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux? Oh, ça fait un petit moment qu'on se croise, effectivement, parce que Madame Renaud est quand même présente sur le territoire et investi sur le territoire depuis de nombreuses années. Donc ça nous est arrivé à de nombreuses reprises de nous rencontrer dans des rencontres voilà, impromptues sur des entreprises, sur des manifestations. Donc oui, on, voilà, sur des projets. Sur des projets, donc non mais tout à fait. Donc on se connaît depuis très longtemps. Comment envisagez-vous votre relation de travail au sein du Conseil de développement? Alors le Conseil de développement, pour moi, c'est une instance importante. Pourquoi on parle beaucoup d'associer au maximum la population ou les habitants donc au concept d'évolution des décisions politiques. Et le Conseil de développement, de par son expertise, de par ses collèges, doivent nous permettre d'avoir une vision effectivement extérieure aux problématiques que l'agglo a à traiter. Donc je pense que le Conseil de développement, je le vois comme un partenaire, donc indépendant, hein, clairement, faut dire les choses aussi, il n'a pas de pouvoir décisionnel, mais doit pouvoir effectivement nous éclairer d'un certain nombre de démarches que l'on souhaite mettre en œuvre sur l'agglomération. Et vous, Virginie, votre vision? Alors, donc moi, par rapport à ma petite expérience en fait du premier mandat, c'est d'avoir ces 75 membres hein, qui sont bénévoles au service justement de Saint-Lô Agglo pour agrémenter et puis enfin donner leur expérience, leur expertise sur les décisions stratégiques du territoire. Allez, on termine cet échange et j'imagine que vous avez un mot l'un pour l'autre. Moi j'ai juste un mot, c'est que bon, je sais Virginie, je connais son attachement au territoire, je connais sa motivation à faire vivre ce conseil de développement, donc j'attends qu'elle poursuive ce qu'elle a déjà engagé, donc et je n'ai pas de crainte du tout, on pourra dire les choses comme elles se doivent, hein, le conseil de développement est indépendant, donc j'attends aussi d'elle le poil à gratter hein, de l'agglomération, mais donc je sais qu'elle saura le faire. Ça va piquer alors? Ça va piquer, mais encore une fois, de manière, on saura se dire les choses, et ça c'est un élément important. Voilà, il faut le faire dans l'intelligence et dans la bienveillance, et je pense que ça, on saura le faire ensemble. Donc je remercie Fabrice de m'avoir fait confiance pour ce nouveau mandat, et j'espère être à la hauteur en fait de ses attentes, et je compte bien sûr sur l'ensemble des membres du Conseil de développement pour donner et partager l'expérience pour agrémenter ce territoire. Merci. Merci à toi Virginie également. Je me suis engagé dans ce conseil de développement. Alors pour être très très honnête, au départ quand Virginie m'a parlé de ce conseil de développement, j'avoue que je n'avais jamais entendu parler d'une structure comme celle-ci. Donc ma curiosité a fait que je me suis intéressé à la question et effectivement j'ai fini par dire oui à Virginie par rapport à ce concept d'un groupe avec chacun ses expertises. Donner des éléments pour des élus, ça me semblait plutôt très intéressant. Alors ce que j'ai apporté au Conseil de développement, de manière très modeste, hein, c'est une capacité peut-être
à animer des débats quand on a des sujets qui sont intéressants, comme les sujets qu'on a pu traiter, je pense au PLUI par exemple, du territoire. C'est des sujets passionnants, on vit sur le territoire, nous sommes tous au cœur de ce territoire, on vit, on travaille, que ce soit dans nos vies professionnelles ou dans nos vies personnelles, nous sommes sur le territoire. Donc c'est vrai que parler de sujets qui nous intéressent au premier plan, ça ne peut qu'engager une certaine dynamique dans les débats que nous avons pu avoir ensemble. Alors je suis présidente d'une association, les pupilles de l'enseignement public, et l'engagement associatif sur le conseil de développement d'un territoire nous intéresse en tant qu'association. Nous sommes, comme toutes les autres associations, des partenaires des territoires et particulièrement pour le développement social et humain. Alors j'ai apporté ma participation au groupe de travail sur l'habitat et sur l'aménagement du territoire. Et dans ce groupe de travail, j'ai particulièrement porté l'habitat inclusif, c'est-à-dire pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées ou pour toute personne en difficulté sociale. Donc mettre un accent sur cet aspect de l'habitat qui n'est pas seulement se loger, mais habiter un lieu et un habitat qui crée du lien social. Alors je me suis engagé dans le conseil de développement et dans toute cette dynamique tout simplement parce qu'il me semblait intéressant d'amener une vision propre à l'agriculture que je représente, mais aussi en tant que citoyen, d'avoir une possibilité d'exprimer des choix ou des idées qui pouvaient compléter les décisions de Saint-Lô Agglo. Le message qu'on pourrait faire passer pour terminer, ça serait tout simplement qu'il est important que le conseil de développement vive, que les acteurs soient présents et qu'ils amènent un maximum d'idées et de diffusion de ces idées vers Saint-Lô Agglo et vers l'ensemble des citoyens de Saint-Lô Agglo. Chers membres du conseil de développement, j'attends de vous pour ce nouveau mandat que vous soyez investis et qu'on puisse travailler ensemble pour nourrir la réflexion donc, de Saint-Lô Agglo. J'attends vraiment de vous que vous soyez acteurs pour ce beau territoire qui est le nôtre, donc le territoire de la Manche. Merci. Bah écoutez, moi j'attends du conseil de développement, donc de sa présidente et de ses membres, qu'effectivement il soit novateur dans les propositions qui puissent être faites à l'agglo. Hein. Nous avons de nombreux défis à relever sur le territoire, que ce soit environnemental, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau des mutations qui devront se faire. Donc j'attends d'eux d'être innovants, d'être ambitieux et d'être une force de proposition pour le président de l'agglo que je suis.